Pour la seconde année consécutive, le restaurant éphémère rouvre ses portes. Pour une semaine et pendant les fêtes de Noël, toutes les personnes désireuses peuvent venir échanger un sourire contre une soupe. Explication. Le principe, c'est un moment de partage. C'est revenir un peu aux valeurs premières, je dirais, de Noël. C'est se retrouver tous ensemble autour d'une table avec une animation culturelle, donc chaque soir, tout simplement. Et l'objectif, c'était de donner rendez-vous comme un repas familial, de vivre ça avec toutes les personnes qui le souhaitaient et pour les personnes isolées de Noël. Donc les personnes isolées de Noël, c'était notamment des personnes âgées, veuves ou veufs, qui se retrouvaient vraiment seules à cette période, et puis également des gens de la rue et d'autres personnes en difficulté. On a d'autres profils, on a aussi des personnes qui tout simplement, le côté commercial de Noël, je crois qu'ils arrivent un petit peu au bout. Puis c'est pas évident, je crois qu'actuellement pour tout le monde, fêter Noël, ça implique pas mal de frais aussi. C'est simplement revenir, un vrai moment de partage, manger une soupe, donc ça c'est le lien. Et le fait que il y ait une animation, du coup on a l'impression d'être un peu en soirée festive et c'est plutôt sympa.